tous les myrmécologues en herbe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes Camponotus turkestanus. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps pour vous montrer la colonie, donc cette fois-ci je vous fais un petit suivi d'élevage. Là vous voyez seulement le couvain, la reine est un petit peu plus en bas de la colonie, parce que c'est une colonie en hauteur. Et c'est vrai que du coup, grâce à cette colonie en hauteur, je peux leur mettre un petit gradient de température et elles changent le couvain à leur bon vouloir, etc. Elles sont sur un tapis chauffant ainsi que chauffé un petit peu par une lampe pour homogénéiser un petit peu la température dans la fourmilière. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien développées, hein, il y a un sacré beau couvain. Il y en a peut-être un petit peu ailleurs encore dans d'autres branches de la fourmilière. Mais c'est dans d'autres galeries de la fourmilière, mais c'est vrai que là, elles ont déjà bien regroupé le petit couvain. On peut voir un cocon, j'ai déjà deux cocons qui ont éclos hier, donc c'est dommage, j'aurais dû le faire hier, parce qu'il y aurait eu un couvain un peu plus gros. Mais c'est vrai qu'elles sont assez belles. Là, vous pouvez voir une des fourmis régurgiter une sorte de petite pelote. Cette petite pelote, en fait, elle va la poser par terre, ou alors elle va simplement la donner à une des larves. C'est régurgite un morceau de nourriture qu'elle a entreposé dans, en fait, chez la fourmi, il y a le jabot social, comme vous pouvez voir là avec l'œsophage, enfin la trachée, enfin tous les trucs un peu normaux qu'on peut voir à peu près tous les insectes. Et en fait, sur le côté gauche de ce jabot social, en fait, il y a une sorte de petite poche, une micro-poche, où dedans, en fait, elle peut venir stocker les résidus un peu trop gros qu'elle n'arrive pas à avaler. Par exemple, comme vous, si par exemple s'il y avait un trop gros bout de, je sais pas, de poulet ou quoi que ce soit, et que vous ne pouvez pas le mâcher ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas l'ingurgiter, imaginez que vous avez une petite poche à gauche de votre trachée qui vous permettrait d'entreposer cette petite nourriture. Et du coup, elle peut le régurgiter à tout moment. Souvent, on appelle ça une pelote de régurgitation. C'est un peu comme chez les chats. Et souvent, ils la mettent au sol. Comme une déjection tout simplement pour s'en débarrasser, mais là c'est vrai que je pense qu'elle va donner, on peut le voir qu'elle est en train de taper la larve avec ses antennes, je pense, pour la stimuler et ainsi lui donner cette petite pelote de régurgitation pour qu'elle puisse manger, parce que c'est vrai que chez cette espèce, à l'inverse de chez les Mystrium, les larves font la trophallaxie, enfin il y a une trophallaxie entre ouvrières et larves. Du coup c'est vrai que c'est assez intéressant, j'avais jamais pu filmer ça, donc c'est assez cool qu'elle fasse ça en live. Donc c'est assez intéressant. C'est vrai que cette espèce, du coup, elle vient de Mongolie, et je vous avais déjà dû en parler dans la précédente vidéo. Elle vient des steppes mongoles, elle vient de Chine. Elle doit suivre une diapause, je ne les ai pas encore mis en diapause, hein, mais comme je vois le couvain qui se développe bien, etc., j'attends qu'elle-même commence à se réguler un petit peu, qu'elles attendent avant, que la reine attende un peu avant de pondre. Pour les mettre en diapause, mais pour l'instant elle se développe bien, il n'y a pas de souci, la reine n'est pas trop fatiguée, elle sort même de temps en temps pour aller aider les ouvrières à ramener une proie ou quoi que ce soit. Je dois avoir une dizaine d'ouvrières là, avec le couvain que j'ai, ça va augmenter assez rapidement. Là vous pouvez voir l'ouvrière qui a déposé du coup cette petite pelote au creux de la larve, et du coup la larve va petit à petit la manger assez facilement. Là, vous pouvez voir qu'elle est en train de se nettoyer après ça, le nettoyage des antennes, des pattes, etc. est quelque chose de très commun, et elles le font très très souvent chez les fourmis. C'est vraiment, ça leur permet d'étaler toutes leurs phéromones, de pouvoir échanger des signaux chimiques très très facilement. Il y a toujours une ou deux ouvrières qui protègent le couvain. La plupart des autres ouvrières sont soit dans l'aire de chasse, que je vous montrerai plus tard sûrement dans une prochaine vidéo, soit avec la reine plus bas. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment des moments, surtout que là je les ai un petit peu enlevés de leur chauffage pour quelques minutes pour la vidéo, du coup elles vont un petit peu bouger je pense, mais rien de bien grave, je vais les remettre très rapidement sur le tapis chauffant et tout ira bien. Là, on peut voir la larve en bouger en train de manger la petite pelote de régurgitation. Je sais pas si je peux faire un zoom un petit peu mieux dessus, peut-être qu'on verra là un petit peu mieux là. C'est vrai que cette espèce est très très belle, parce que ça fait penser un petit peu à une ghost ant, je sais pas si vous connaissez. C'est une fourmi assez claire, assez transparente, et là c'est vrai que j'ai la chance d'avoir la particularité de cette espèce qui est vraiment très très claire, vu que certaines colonies de Turkestanus sont un peu plus foncées. Là mes ouvrières sont vraiment quasi blanches, transparentes quoi, du coup c'est vrai que elles sont assez belles. Du coup voilà, j'espère que vous continuez à aimer les vidéos, etc. La qualité normalement a augmenté comme j'avais dit avec mon nouvel appareil photo. Je suis super heureux pour que vous ayez apprécié la dernière vidéo
d'exploration, enfin d'expédition dans la forêt avec mon ami. C'est vrai qu'on ne savait pas trop si ça allait vous plaire ou quoi que ce soit, mais j'ai vu que ça vous intéressait pas mal, donc sûrement j'en referai. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre soutien. Si vous avez des questions ou si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas. Je vais avoir de nouvelles colonies, de nouvelles espèces très prochainement qui vont arriver pour diverses raisons dont vous saurez en temps et en heure d'ici 2 semaines prochainement. Là, j'annonce, d'ici 2 semaines, on annonce le projet. En tout cas, merci à tous de suivre les vidéos. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, enfin bref, faites comme vous voulez. Merci à tous.